Oui, effectivement, Arnaud Mercier, on vous remercie déjà d'être présent. Oui, déçu, mais réaliste, j'entends. Très clairement, oui, déçu, bien entendu, parce que quand on regarde le fil du match, on a une situation coup de pied arrêté pour nous, on se fait contrer là-dessus. On prend ce premier but alors que je pense qu'on avait plutôt bien démarré le match. On a eu les opportunités, comme on les a eues aussi là-bas en deuxième mi-temps. Très clairement, Anvers mérite sa victoire. Elle a été beaucoup plus réaliste, plus forte que nous. Elle a su saisir ses opportunités. Elle n'a jamais su craquer. Elle n'a jamais craqué face à notre bonne pression du début de match. Après, voilà, il faut être réaliste dans le football. Il y a des joueurs de talent dans cette équipe anversoise et ils l'ont prouvé ce soir. Jouer un championnat sur deux matchs comme ça, bon ben oui, on connaissait les règles hein, avant le départ de la saison. Votre avis maintenant avec le recul et en étant battu évidemment. Jouer notre saison, l'objectif de départ était de se maintenir si possible dans le top 4. D'arriver jusque-là déjà c'était exceptionnel. Je pense qu'il y a quand même une grosse part d'injustice dans ce championnat parce que le premier qui est le Lyre, son nombre de points avec 55 points, meilleure attaque, meilleure défense. On ne se retrouve même pas en finale. Donc il y a peut-être à réfléchir, mais les règles c'était celle-ci. Finalement, il faut gagner une tranche pour vraiment participer à une finale et espérer quelque chose. Voilà, c'est le troisième du championnat, le troisième du classement général qui monte finalement. Mais tout le mérite leur revient parce que sur les deux matchs, très clairement, ils nous ont marqué 5 buts. Et nous, on a marqué 2 que sur coup de pied arrêté. Donc la différence, elle est là aussi. Mais je pense que ça a été un championnat extrêmement intéressant parce que toutes les équipes jusqu'à la fin avaient quelque chose à jouer. Voilà, après, un match aller-retour comme ça, c'est cruel, oui, bien sûr, mais c'était à nous de mieux négocier ce match aller déjà. Mais très sincèrement, on a bien vu la force collective d'Anvers ce soir et je pense qu'il mérite amplement de remporter cette finale. We stand by and verliese François Compagnie. Het heeft niet mogen zijn vandaag. Nee, maar het is pijnlijk, echt pijnlijk, want het is al 6 maanden, 4 maanden om de kampioen zien te kan. We wisten dat het niet makkelijk ging zijn. Het is gewoon dik verdiend voor hun, zich verdiend. Ja, proficiat. Ze waren beter om 2 wedstrijden in het leven niet helemaal. We hebben zo lang meegedaan ook voor die tweede periode. Ja, tot eind 2016 waren we goed. En wat is om zijn geschuld. We kunnen, ze waren, ja, de 10 laatste wedstrijden waren ze gewoon veel beter. Dus het is dik verdiend voor hun. En ja, volgend jaar moeten we gewoon beter doen en leren van onze fouten.